Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Responsable dans le ministère économie et finance présenté travail consultation qui t'a fait sous code général impôt CGI avec livre procédure fiscale la LPF. Ministère justice et sécurité publique la Emily Prophète Milsé rencontré mercredi 14 décembre représentant une quinzaine d'organisations qui défendent droit moun dans cadre GFOR pour combattre détention préventive prolongée. Funérailles ancien responsable Académie Police Nationale la Harrington Rigo chanté jeudi 14 décembre dans l'école police là, en présence Premier ministre Ariel Henry, ministre Justice et Sécurité publique AI Emily Prophète Milsé, directeur général AI Police la France LB avec diverses autres personnalités. Situation économique difficile, population apprenez Zak Banditis qui a plaidé répété mettez sous gaz qui n'est pas réellement disponible dans Pompio, dans Cité Indépendance, c'est signe qui montre conditions n'ont pas réuni pour fête là selon plusieurs gonaïviens. Était avec nous, titre Claude sujet pour le développer à soi dans le journal. Bonsoir tout le monde. Responsable non ministère économie et finance présenté travail consultation qui t'a fait sous code général impôt CGI à Caliv procédure fiscale la LPF. Échantillon représentatif de documents saillot et adjoint différents secteurs dans la vie nationale là pour appréciation et suggestion yo dans mois d'août 2022. Isaïe Relis avec Jean Fleury pour un compte rendu. Des outils ça doit servir moyen juridique fiscal qui clair pour améliorer le climat fait business dans le pays. Il vise tout simplifier le système fiscal haïtien pendant la renforcement économique. Côté solution à problème hygiène administration fiscale là doit passer à travers des codes ça selon chef gouvernement. La rédaction du code fiscal haïtien s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale de réforme de la gestion des finances publiques et traduit la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement global des finances publiques dans un nouvel élan de création d'un système fiscal moderne, simple et plus apte à mobiliser des recettes en quantité suffisante, susceptible d'assurer une plus grande autonomie financière de l'État. Mesdames, Messieurs, dans un contexte de crise multidimensionnelle aiguë et systémique, le gouvernement demeure convaincu que la réforme fiscale constitue un pas important dans l'amélioration de la gouvernance publique, vu les retombées positives tant attendues sur toute l'administration haïtienne. Amélioration pression fiscale, rationalisation dépenses fiscales et alignement bonne pratique internationale, c'est l'autre parmi points qui favorise la création des outils. Ils doivent entrer en application après adoption budget pour exercice fiscal 2024-2025, selon responsable ministère économie et finance. Et puis la fois qu'on est responsable dans le ministère santé publique et population dans tête collée avec plusieurs partenaires internationaux inaugurés jeudi 15 décembre, non, service urgence ambulatoire bloc opératoire avec laboratoire rénové dans l'hôpital Université La Paix. Cérémonie ça a déroulé en présence du Premier ministre Ariel Henry avec diverses autres personnalités. Chef gouvernement salué projet ça, il dit qu'il portait service urgence plus près population. C'était occasion pour le Premier ministre Ariel Henry montrer l'État ici fait un premier pas dans l'idée population à joindre soins en urgence gratis avec service urgence ambulatoire, bloc opératoire et laboratoire rénové dans l'hôpital Université La Paix. Chef gouvernement remercie Patnelio qui supportait le gouvernement pour réalisation projet ça. Service urgence tourne ça à permettre population en joindre soins en urgence. L'elle fait accident ou soit malade. Il s'y trouve l'essentiel. Au niveau des soins d'urgence, de qualité, à la population des États et de ses environs, grâce à la disponibilité de personnel bien entraîné, motivé et impliqué. Nous avons un partenaire financier qui a continué de travailler ensemble avec le gouvernement haïtien pour améliorer la situation sanitaire. Tout d'abord, le premier service d'urgence ambulatoire dans ce aujourd'hui du pays
Et deuxièmement, la première structure SMART que je vous ai présentée là, qui a été construite sur le territoire national, un bâtiment à la fois sûr, c'est-à-dire plus résistant face aux ouragans et aux tremblements de terre, mais aussi respectueux de l'environnement. Ministre Santé publique et population, Dr. Alex Lorsen, pas de cacher satisfaction pour service urgence. Ambulatoire, bloc opératoire et laboratoire rénové dans l'hôpital La Paix. L'irrité quoi c'est un pas ministère à faire dans la vie de la population qui besoin de soins en urgence gratis pour santé. Pendant le promet personnel santé, prend le travail pour qu'un bloc là en bon état. Le ministère entend contribuer à la tête de l'une des trois grandes cibles de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir qu'un milliard de personnes de plus soient mieux protégées des enfants sanitaires. Secondo, il est justice constitutionnelle d'assurer que tous les Haïtiens aient un accès rapide à des soins d'urgence où qu'ils se trouvent sur le territoire. Gouvernement taïwanais coopération brésilienne, OMS, c'est quelques parmi partenaires internationaux qui coopèrent pour bailler 100 ambulances nationales, CAN. 100 ambulances qui éparpillées sur tout le territoire national là pour répondre à des besoins de population. Une promotion Institut National Musique d'Haïti graduée 14 décembre dans Port-au-Prince, c'est sous initiative. Ministère Culture et Communication, yon vingtaine étudiants recevoir diplôme yo, ça qui qualifie yo comme professionnel musique selon ministre Culture et Communication. Une Jean-Louis avec Lydie Dieudonné a présenté un compte rendu sur ça ensuite. Institut National École Musique d'Haïti, INAMU, créé un objectif pour faciliter jeunes, si tous ceux qui vivent dans quartier défavorisé yo, gain accès à l'apprentissage musique. Ça cap permet yo mettre en valeur talent yo. Directeur académique Inamuyan Pierre Hugo Chéri ak Adler Ogis qui c'est une professeur yo adressé la nouveau gradié yo. Heureux récipiendaire. Le chemin parcouru n'a pas toujours été facile. Il a fallu votre assiduité, votre application pour acquérir et engranger toutes les leçons dispensées par vos infatigables guides. Et enfin, arrivé le moment de voir couronner vos efforts au nom du corps professoral, au nom du staff technique et à mon nom propre, je vous félicite et surtout vous encourage à poursuivre vos études musicales. On ne finit jamais d'apprendre dans cet art. Et surtout gardez toujours en mémoire que nous ne vous avons pas formé pour être seulement de bons musiciens, mais surtout de bons citoyens. Quant à cette vingtaine de jeunes, que leur dire? Félicitations pour avoir parcouru votre cycle d'études. Mais là ne s'arrête pas votre travail. Vous venez de franchir la première étape. En tant que musicien, vous aurez probablement à vous performer, à vous spécialiser dans l'arrangement, dans la composition et tout. Vous avez maintenant une arme en main, vous allez pouvoir vivre grâce à cette arme. Lauréat promotion Juan Carlos François mettait accent sur l'expérience qu'il a fait pendant six études. Libre garantie, promotion ça après le servir modèle pour géniaux dans la musique haïtienne. Nous vous donnons la garantie que nous serons des agents de rêve et de bonheur pouvant vous transmettre la joie en mélodie. Comme a dit l'autre, la musique est une science, mais fondamentalement un art qui apporte le bien-être. Cette première promotion de l'Institut National de Musique d'Haïti veut certainement et à tout prix continuer à faire la bonne musique pour servir de modèle à tous les jeunes haïtiens. Ministre Kilti à communication, Emily Prophète Milsé, souligne talent et capacité Lydie qui gagne dans la promotion. Ça. Ministre Milsé plaide pour continuer de plus formation dans toute qualité domaine. Comment ce pays peut devenir meilleur? C'est en formant les jeunes dans toutes les catégories
professionnels, des musiciens, des musiciennes capables de nous faire rêver et capables de décrire ce que nous sommes. Que sont les artistes au final? Ce sont des gens qui expriment d'une manière extraordinaire, d'une manière désintéressée, ce qu'est un peuple, ce qu'un peuple peut faire, ce qu'un peuple peut dire. Et ils sont prêts, elles sont prêtes à dire ce que nous sommes. Elles sont prêtes, ils sont prêts à parler de l'époque, à parler de notre présent et de notre avenir. Je vais vous souhaiter vraiment une carrière exceptionnelle, pas parce que cette carrière va vous permettre de devenir millionnaire, de gagner beaucoup d'argent, je vous le souhaite aussi, mais parce que cette carrière va vous permettre de dire, va vous permettre d'exprimer ce qu'est l'haïtienne, l'haïtien. Vous pouvez, et nous avons bon espoir que vous allez pouvoir le faire. Et c'est comme cela qu'on ne rate pas sa vie d'artiste en arrivant à exprimer le meilleur du peuple, le meilleur de la communauté et de pouvoir nous permettre de dire que nous pouvons être plus grands que nous-mêmes. Selon responsable, il a mis un millier d'élèves qui sont en formation à travers 300 qui trouvent dans Inch, Jacmel et Mamlad. Pour première promotion, c'est environ une vingtaine qui recevra diplôme étudiant mercredi 14 d'août. Et j'en ai annoncé le ministre de la Justice et de la Sécurité publique à IA, Emily Prophète Amissé, rencontré mercredi 14 décembre, représentant une quinzaine d'organisations qui défendent le monde dans le local ministère, dans la présence du directeur cabinet avec plusieurs autres cadres dans MJSP. Dans le sa fête, dans 4 GFOR qui a mené pour combattre la détention préventive prolongée, dans l'occasion, le conseil a plaidé pour une plus bonne coordination entre autorités dans l'État et acteurs dans la société civile, dans l'idée pour porter réponse à un problème de détention préventive prolongée, illégale et puis arbitraire qui était un défi pour le système judiciaire haïtien. Et puis, Jean-Luc Anosoli, funérailles, ancien responsable de l'Académie Police Nationale à Harrington Rigaud, chanté jeudi 15 décembre dans l'école police là. Cérémonie funéraille déroulée dans la présence du Premier ministre Ariel Henry, ministre Justice et Sécurité publique IA Emily Prophète Milsé, directeur général AI Police là, France LB, cadre dans l'institution, famille, examen, ancien commissaire Lionel Jean-Louis avec Lydie Dieudonné a présenté un compte rendu sous sa ensuite. Assassiné 25 novembre passé en sous route frère Pétionville, funérailles ancien responsable Académie Police là, commissaire divisionnaire Harrington Rigaud, chanté jeudi 14 décembre là. Sorti dans 7e promotion PNH là, Harrington Rigaud était un formateur, un professeur qui fait plus passer 30 années dans fait formation. Actuel directeur Académie Police Lan Figaro Aurelius fait éloge pour ancien directeur de l'école Police Lan. Doté de sens des responsabilités et d'équipe, d'une rigueur admirable et de formalisme proverbial, il faisait partie des premiers instructeurs de l'école nationale de police, où il a formé de nombreuses promotions d'aspirants policiers, en particulier la 10e dont il nous vantait la qualité de la formation. Depuis une décennie, il œuvrait inlassablement à l'Académie nationale de police comme gestionnaire, puis directeur adjoint et enfin directeur. Il a contribué à la formation de 7 cohortes d'élèves commissaires et de 3 cohortes d'inspecteurs. Directeur général AI Police Lan France LB salue bon comportement et sens responsabilité ancien commissaire Harrington Rigaud dans l'institution. France LB plaide pour renforcement avantage social pour policiers. Pendant les dit, la police a continué goumen contre bandits. L'institution policière, la nation haïtienne qui partirait, se montre éternellement reconnaissante. À la famille de votre cher collègue. Nous voulons dire merci. Merci pour le don précieux de ce grand homme. La petite population haïtienne par les poignets. Qu'elle est faible. Nous, au niveau de la police, nous
pas blague, nous pas faire. Nous continuons à nous mettre toute qualité de notre vie. Nous ne pouvons jamais prendre le pays dans notre propre vie. Toute qualité de notre vie. Avec le même point de vue, nous faisons tout ça capable de permettre que la population soit capable de vivre. Ministre Justice à Ian Emily Prophète Milsé, quoi plus bonne façon pour rendre hommage à commissaire Arrington Rigaud, c'est permettre institution à la famille joindre justice. Ministre Justice à Sécurité publique à Ian fait connaître l'État continue par responsabilité pour bailler encadrement à la police. L'État doit mener le combat. L'État va poursuivre et réprimer tous ceux qui alimentent nos douleurs comme celle d'aujourd'hui. Le dernier mot reviendra à l'État et aux lois qui nous fondent. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique y veillera. L'inspecteur général Arthur Rigaud était le dépositaire de l'autorité publique. Sa mort, le droit et le peut rester impunis. Pour rendre un hommage complet au directeur de notre Académie de police, notre Académie nationale de police, et pour que la République le remercie pour tous les services rendus, il faut que justice soit faite. Il faut transformer la révolte qui nous habite aujourd'hui, faire en sorte que de tels actes qui avilissent notre humanité ne se produisent plus. Formé dans l'école normale supérieure, Arrington Rigaud mourut vendredi 25 novembre dans son frais, après qu'il ait fini de recevoir une balle dans la tête dans le même examen. Yon équipe avocat qui gagne la donne, maître Caleb Jean-Baptiste, déposé yon plainte dans le paquet Port-au-Prince mercredi 14 décembre contre responsable commissariat Delma 33, Mono de Chol, avec plaisir l'autre monde. D'après maître là, depuis 30 octobre, journaliste Romelson Vilsin mourit en dans commissariat Delma 33, pas gagne rien qui fait pour dossier s'avancer. En suivre yon extrait dans le micro Pierre Daniel Lamartinière. Nouveau de plainte là contre Mono de Chol. Et consort, Mono de Chol, c'est lui-même qui est responsable commissariat Delma 33. Journal, ça mourit en dedans commissariat Delma 33. Ça veut dire, Mono de Chol, il y a un pile de bagaille pour le dire à la justice. On a écrit également des organisations nationales et internationales, des organisations de la presse, pour nous demander vraiment pour supporter nous. Nous allons écrire ambassade, entité et ambassade, ambassade américaine, ambassade de France, ambassade Canada, la France, tout côté net qui responsable et la presse pour nous demander pour supporter nous dans le dossier ça. Nous allons écrire des organisations nationales internationales qui ont rapport avec la presse. Nous allons écrire des organisations nationales internationales, nous allons tout pour aider nous. Parce que nous comprenons que jeudi, chaque jour, le journaliste a assassiné. Chaque jour, il a porté plainte. N'est-ce pas le journaliste, il a cassé tête journaliste. Il a tiré le journaliste. Jamais il y a un journaliste qui vient de justice. Dans l'optique, ça, papa, qui est avocat et secrétaire de l'ordre, dans le barreau pour des paix, papa, journaliste a assassiné. Il a deuxième personnage dans le barreau. Pour l'instant, il était constitué nous-mêmes, Maître Amboise, Maître Caleb, Maître Macken et Frère Liatou qui est entré en contact avec nous, Guy Pascal Odevalsin, pour nous faire tout ça la loi dit nous fait pour vraiment journaliser la justice. Problème gaz là, après poursuivre dans zone métropolitaine Port-au-Prince, côté chauffeur a expliqué calvaire, il a monté pour acheter produit ça. L'équipe télévision nationale d'Haïti a visité quelques pompes dans zone la lue pour garder comment ça y en suit. Depuis le matin, on a un galon gaz. Je vais faire depuis le matin, je vais faire. Avec une ligne pour nous sortir là. On a la seule marche, ma passe en bas, ça vous baisse, c'est la carotte. L'état met le gaz là, 114 dollars. Nous vous mettons 3 mois là. Après, nous venons résilier nous. Nous ne pouvons pas carrément. Notre action, il faut que l'institution qui est juridique, il faut que nous rentrions dans la démarche. Il faudrait-il que soit en Haïti, nous ramassions la bataille là. Avec l'État haïtien, la société civile, toute notre entité, pour poursuivre mon saïo, que nous sommes sortis sur liste comme mauvaise affaire, soit dans la question de drogue, soit dans la question de relation avec gang, soit dans la question de kidnapping. Mais faudrait-il qu'on instance de justice
qui relè moun sa yo, qui chita avec yo et qui dit est-ce que tout bon vrai moun sa yo coupable, est-ce que pas coupable. Et gen des moun et en dedans démarche là les noyaux sorti soit États-Unis soit Canada, le dit c'est intimidation parce que ça fait longtemps que yo a travaillé ensemble avec le gouvernement canadien ou bien le gouvernement américain. Je dis c'est un genre pour le jeter. Mais je dirais au peuple haïtien, à la jeunesse, aux professionnels, si nous avons des gens qui arrivent au plus haut niveau de l'État, qui étaient entendus avec une autre nation pour nous faire mal, pour traîner nous descendre côté nous là, c'est des gens qui commettent des crimes de haute trahison. Constitution 1987, là, en article 21, il dit que les gens qui entendent à l'autre nation pour faire nous mal, c'est des criminels. Et les crimes que nous c'est des crimes de haute trahison. En dehors de moun sa yo, nous commençons kon non, nous commençons ouais que gagne qui dit yo cité yo a tort et gagne d'autres peut-être qui cap consenti yo cité yo a raison. Mais faudrait-il que la justice, que ce soit justice dans notre pays yo, que ce soit justice en Haïti, faut que camper pour nous poursuivre et pour nous arriver dit nous juger moun sa yo et voici les faits. Les faits sont là, c'est pas injustice à faire. Responsable groupe CAP appuyé rapatrié et réfugiés ont annoncé une journée de réflexion sur migration pour lundi 19 décembre 2022 dans le local Chris Roy. Ansi Pierre à Colette Lespinasse à deux intervenants dans l'activité. Ansi Précision Sam Guillaume, responsable communication à gare. C'est une journée d'activité qu'on a fait dans l'occasion journée internationale de migrants. Côté n'a bien conférence. Nous avons gagné projection film documentaire et puis nous avons gagné exposition livre. Pour conférence, nous avons gagné deux intervenants. C'est d'abord Madame Colette Lespinasse qui a intervenu sur l'histoire de la migration haïtienne. Ensuite, avec professeur Ansi Pierre qui a intervenu sur avantages et défis migration gagnés pour pays d'origine et pays récepteur, le cas la migration haïtiano-dominicaine. Pour exposition ouvrage, nous avons exposé tout livre que nous avons dans la bibliothèque nous, qui a un rapport avec migration. Et en façon pour que étudiants, professeurs, chercheurs qui intéressés à domaine migration capable de venir prendre connaissance de ressources documentaires nous et connaître que nous avons tel type d'ouvrage qui est disponible à chaque fois que nous avons bien besoin. Capable de consulter. Ensuite, nous avons une projection film documentaire Capchita sur activité migratoire entre pays d'Haïti et pays République Dominicaine. C'est à occasion tout pour nous présenter bilan toute réalisation nous pendant l'année 2022, tout appui que nous portons et dans quel niveau nous portons. Alors, nous avons invité tout le monde, jeunes, étudiants, professeurs, chercheurs et toute organisation de Amounio pour être capable de faire des journées d'activité ça une réussite. Écoutez, nous, je ne disais tout à l'heure, nous avons commencé depuis 9h, nous avons fini à 2h dans l'après-midi dans le local nous qui s'écrit soir. Ministère droits humains pour une autre humanité a réalisé ensemble activité sensibilisation sorti 10 décembre 2022 pour le bout 10 décembre 2023 dans l'occasion 74e anniversaire déclaration droit moun Nations Unies a célébré sous thème dignité, liberté et justice pour tout le monde. Porte-parole MDHNH là, Lewis Charlochol, explique activité ça yo visé former population jeune en particulier pour impliquer yo dans bataille pour respect droit moun dans pays a. En suivi extrait dans micro Sanora Augustin avec Max Joseph. Dans le cadre campagne ça que au cabinet droit de l'homme les mêmes les lancer. Alors, pas oublier nous déjà dans le 74e anniversaire Douamoun, déclaration Douamoun. L'ONU les lancer ça pour que nous-mêmes nous motiver à travers tout le pays et tout le monde. Là. Donc pour sensibiliser les gens dans la question respect Douamoun. C'est une campagne qui est lancée à partir du 10 décembre qui se passe là. Donc il y a duré un an. Jusqu'à 10 décembre 2023, côté que nous avons sensibilisé les gens dans tout le pays et spécialement en Haïti. Donc pour que nous arrivions à célébrer en 10 décembre 2023, donc 75e anniversaire déclaration de la
dans le monde. Nous-mêmes dans MDHNH, UNIDEL, nous prévoit plusieurs façons pour que nous permettent à ce que la campagne ça arriver sous la population. Non seulement dans le cadre de la sensibilisation, on a continué à faire à travers les médias traditionnels, nous avons continué à faire travail ça à travers les médias en ligne. Nous gagnons des formations qui ont déjà commencé et que nous avons continué. Et nous avons déjà gagné des jeunes en province et même qui pas en Haïti, mais c'est des jeunes haïtiens surtout, qui dans l'autre Antillo, qui apprennent des formations côté que à travers UNIDEL pour nous former sur l'importance, respect, droit monde. Et aider à comprendre tout ça, ça veut dire universalité dans la question de droit monde. Et c'est ça qui fait nous parler de question la monité complétude. Il y a un monde qui le lit complet. C'est lorsque il est cohérent. C'est lorsque il est équilibré. C'est lorsque nous vivons de liberté et dignité que l'ONU a parlé de l'IA, qui c'est des choses inhérentes. Ça veut dire que nous avons fait avec dignité. Li fait avec liberté li. Et à chaque fois que gagne un rapport de force, soit sur le plan politique ou culturel, soit sur le plan religieux, et qui influence personne ça ou encore moun ça, donc nous ne sommes pas capables d'expliquer ça nous les droits universels. Ça c'est un objectif tout MDHNH. River implanter yon vraie culture en dedans de wa moun, yon culture de solidarité, de fraternité et de paix. Je nous tiens à nous souligner, situation économique difficile, la population apprenne Zak Bantitisan qui a pris des répétés dans la ville, mettez sous gaz qui n'est pas réellement disponible dans Pompio, ces signes qui montrent à clair conditions pas réunies pour moun fêter Noël à fin d'année dans la cité indépendance, selon sa plusieurs citoyens fait connaître dans le micro TNH. Parallèlement, l'activité scolaire ou finalement démarré dans Gounaïve, même les c'est pas tout petit monde qui reprend chemin l'école là à cause des difficultés parents ont rencontrées. On suivit un papier avec Exalus Mergena depuis Gounaïve. C'est dans une ambiance triste avec une situation économique difficile, Gounaïve apparaît pour vivre cette fin d'année. Nous voulons parler Noël à Nouvel An. Selon constat, en quelles conditions pas réunies pour permettre la population de passer cette fin d'année dans quelques temps. D'abord, problème insécurité généralisée qui gagne dans le pays en côté gang armé occupé en plus l'espace sous territoire, il y a une grosse conséquence sur l'activité économique dans la cité indépendance à côté, en pile magasin dans la villa, retiré à porte fermé. Quelques lois qui l'ouvrit à bail service au rabais à cause craintif, mettent entreprise à y gagner pour rentrer soit dans la capitale là ou l'autre côté dans le pays là pour aller acheter marchandises. Mettez sous ça produits pétroliers qui pas vraiment disponibles dans les stations gazio, c'est un handicap pour l'activité commerciale. Dans le marché public, la produit première nécessité qui est disponible à vendre tête nègre. À environ deux semaines, fête Noël à fin d'année, pas aucun signe qui montrait Villa Paré pour fêter. Nous pas remarqué Abdel Noël qui décoré en quel magasin, bâtiment public ou privé, dans la cité indépendance qui plutôt a fait face à Zak Banditis à répétition. Mardi 13 décembre passé, nèg exam dans la cité indépendance là braqué et pipoté aller l'argent au moins deux cambis qui tap mené activité yo dans zone place d'armes qui dans centre ville là. Il y a plusieurs cambriolages qui fait dans quelques magasins et dépôts qui dans la cité indépendance là. Parallèlement, on a signalé activité scolaire pour nouvelle année académique 2022-2023 finalement démarré dans la ville depuis le commencement semaine passée. Même si c'est un effectif réduit, en plus l'établissement scolaire, surtout privé dans la ville, l'ouvre porte au côté de recevoir élèves qui soient en uniforme ou en couleur. Exalus Mergena, Gounaïve, Télévision Nationale d'Haïti. Portillo, c'est pour mettre action. D'accord? Donc, la loi de Portillo, pour être capable de relever appel contre une décision qui pose le temps régulier. Mais quand le fait que Portillo, c'est pour mettre action, la loi de possibilité pour retracter, d'accord? Donc des actualités pour aujourd'hui. Maintenant, c'est par rapport à ça, nous autres, nous nous adressons une requête à la commissaire gouvernement pour nous dire tout ça. Que si nous sommes jeunes, d'accord, et qui issus des quartiers populaires, sont jeunes qui modestes, maintenant, de ce fait, nous devant le tribunal, donc le tribunal est là aujourd'hui, donc désormais, il faut être capable de gagner la carte. Donc, le commissaire a demandé de nous une requête, et une requête, donc par rapport à l'action qu'elle était aujourd'hui. En appel là, donc commissaire a jugé pour le retard qui appelle la 21. Donc c'est aussi ça qui fait, si oui, je dis, en toute liberté, elle va le regagner de l'eau,
en quelque sorte pour livrer une parallèle famille et amis. Le commissaire là, bel et bien présent, donc on sait lui-même nous saisit pour requête là. Donc pour qu'il fasse droit à et fait moyen qui n'a requête, d'accord. Maintenant de ce fait, c'est sa catégorie, il est capable de livrer. Et nous autres, nous avons dit à certains mounières qui ont fait des interventions maladroites dans la presse. On dit quand même que droit n'est pas politique. Droit, c'est l'affaire des techniciens ou pas capable avocat pour pouvoir faire politique à des questions. Surtout, lorsqu'on a un monde qui prive de liberté, maintenant c'est la liberté qui suppose l'intégration. C'est pas vrai de pouvoir parler dans la radio, alors que les gens sont en détention ou même en liberté, on va chercher view, on va chercher frame, on va chercher pour gagner le public, alors que les gens lui-même sont souffrir dans la prison. Je pense que les avocats qui sont malveillants à ce point, ils préfèrent dire oui. Ils étaient en prison, mais pour une matière pour plus parler dans la radio, pour carrer les journalistes et les sacs émissions à l'équipe pour parler, mais si vous avez trouvé dans la prison, peut-être qu'il a mouru. Et comme lui, il a perdu. Et peut-être qu'il a perdu. Et nous autres, en tant que techniciens, nous faisons ça la loi du fait. Donc, de ce fait, c'est la catégorie libre. Donc, demander et militants politiques, ça y est, pour quitter, doit faire chemin. Parce que si c'est soit au faux choix, soit on choisit le droit, on peut choisir la politique quand même. Moi, je m'a demandé Thierry pour lui faire un petit recul. Ne serait-ce que provisoire, pour lui faire un petit recul, parce que c'est aussi terrain piégé. D'accord? Terrain piégé. Parce que nous autres, en tant qu'avocats, lorsque nous dérivons devant le professionnel là, nous pas trouvé matière pour être non seulement arrêté Thierry depuis Gérald Bataille, vous voyez le matin de toi, les dieux de vous les EPJ, les EPJ par recevoir pour ouvrir le devant de la police. Pas de matière, d'ailleurs pas de dossier. Maintenant, nous, ouais, c'est autre chose qui l'a réglé. Heureusement, le juge correctionnel, Maître Jean-William Moret, donc son juge compétent, il était fait droit à demander que le dépôt du devant. Maintenant, il poursuit des décisions que le devant, ça fait quand même que Thierry, il est libre de vie. D'accord? Maintenant, nous autres, nous comptons et nous disons que la force, les triomphés sur alors le droit les triomphés sur la force et doit triompher sur l'arbitraire. Donc désormais, nous pensons quand même que justice haïtienne dans les mérités, dans le dossier ça chaud. Même Jovenel Yeo, qui gagne 17 mois depuis la fin de justice à travers Maudlin et justice pour Haïti. N'a lancé un appel Axilayo qui voulait faire diversion dans la bataille justice président Jovenel Moïse là. Bonjour à demander pour yon ressaisir. Et peuple haïtien, nous devons comprendre la situation catastrophique que Ariel Henry lui-même a coliclio, a allielio, mettez-nous journée aujourd'hui. Nous ne devons pas croiser bras nous devant ce qui a passé dans le pays. C'est pour nous continuer à lever campé, pour nous libérer le pays avec malfaiteur ça. Fois ça, nous devons faire un lever campé qui est dans la figure, tout bon vrai. Nous ne devons pas bailler les pieds parce que le pays va pour oligarchie. Et nous sémenter 7 fois, 77 fois, 7 fois, quand tu as chambardé le système ça, avec fierté, faut que nous fassions les haïtiens. Regardez comment domestique le système a fait nous passer en fête Noël, dans l'insécurité, dans le grand goût, dans le kidnapping, avec la vie chère. Kounyea nous tendez dit que yo conscient c'est yo qui t'a crasé pays a. Et n'a di yo nous prend note. Nous souhaiter oligadio libérer pays a. Nous souhaiter oligadio libérer la douane. EDH, DGI, APN, AAA,
haine pour citer ça seulement. Pour l'État qui a besoin d'argent pour le projet président Jovenel Moïse continuer. Nous sommes avec plusieurs organisations de base, avec 100% comité 100% diaspora, choisi José Isnader pour diriger un gouvernement départemental. Vive Haïti! Haïti ou l'en bas? Nous résisterons pour une nouvelle Haïti. C'est MPDDH, qui c'est Mouvement des passagers engagés pour le développement d'Haïti. Objectif numéro 1, qui fait nous comme si nous faisons intervention auprès des médias, au côté droit, nous capacités de jeunes peuples, de l'État, c'est que mouvement des passagers engagés pour le développement d'Haïti, c'est que par rapport à des problèmes, nous avons constaté dans le pays depuis un bon bout de temps, côté droit passager pas respecté, côté l'État fixé, prix, course machine, nous n'avons pas respecté. Chaque monde comme c'est là qui sort, qui parle d'activité, autant de ces violences à gauche, violences à droite, ça veut dire nous-mêmes, à tes objectifs, nous venons pour nous dénoncer ces violences qui ont fait sur passagers, sur élèves l'école, sur chaque monde qui a pris en route, qui a sorti, ou nous attendons ou qui sorti, ou bon femme qui sorti, nous n'avons pas rentré, ça veut dire chauffeur arrive et fait des violences sur eux. Et même prix, course machine, l'État fixé à un prix, de tel point à tel point, il n'est pas respecté, autant de. Chauffeur a monté pour machine Jean-Leu ou bien on est sorti, non m'a trompé. Si l'État fixé comme là, 50 gouttes, dans l'après-midi, on a monté autant de 75 gouttes. Ça veut dire que chauffeur a des personnes qui ne peuvent pas prendre, soit qui est comme si elle bataille avec les passagers ou bien tout, elle entraîne en personnel avec les passagers. Nous avons regardé, maman, si nous, maman élève l'école, le cap voyait, si nous, l'école, nous avons connecté, nous sommes maman, petit peu, parce que nous sommes maman. On est dans ma petite dans propre machine dans compte et vous tendez chauffeur et battre ensemble avec lui, râler plutôt sur lui, râler manche sur ses actes violents. Nous-mêmes, MPDH, nous venons dénoncer ces actes violents ça et nous demandons pour l'État prendre responsabilité pour l'accompagner, peuple là. Ensuite, nous demandons des passagers pour nous mettre ensemble. Ce n'est pas pour dire que ça c'est leur groupe, mais nous allons résoudre le problème, nous allons groupe ensemble avec chauffeur. Nous-mêmes, pour nous mettre des têtes ensemble, pour nous revendiquer le droit de parce que. Nous tous les droits pour nous revendiquer tout. Nous avons gardé encore, chauffeur qui a fait beaucoup de sur. Par exemple, on va aller Delma. Ou qu'on est, on va sortir Delma. L'État a fixé. Pousse Delma. Tant pop, chauffeur qui doit arriver, il dit pour ça que vous pouvez aller de tel côté. Pour Pétionville, pour de 75, pour de 48, c'est même pour la recopé. Et 48 pour de 32, 32 pour l'aviation. Même comme là, ou dis-le tout chauffeur, monter du comme les gens le et puis tout comme si là, dit qu'on a une voile qui est en bois d'air dans la nuit, comme si là, qui pas venir comme si vous n'avez pas de répression. Nous connaissons tout, la loi pas marcher sans force. C'est ça que fait demander l'État pour lui prendre responsabilité. L'élifique, c'est pris machine dans tout, même pour le voir des superviseurs dans la station pour voir comment va dérouler. Parce que depuis chauffeur, on est levé, bon, les chauffeurs même, les après-midi, les faire en l'air, puis pour cramper machine. Il y a un vie financier qui a fait face à un problème économique. Il peut pas demander au ministre de l'Unanida de une décision pour faire élève NS1, NS2, à NS3 dans le district africain, aller à l'école dans le mois de janvier 2023. Parce que à cause de violence qui a gagné dans sa vente du stage, en pile monde qui était réfugié dans l'ICA, c'est ça qui fait élève deuxième année. Fondamentale à NS4 qui se classe pour l'examen officiel qui a fonctionné. Tout l'autre élève est lagué dans la rue. Il faut que l'État joue un autre espace pour loger Mounio provisoirement pour élève qui a retourné dans l'ICA pour ne pas perdre l'année. Il peut demander au ministre Kounaniga pour lui appliquer l'article 9 du droit sur frais scolaires. Qui crée un service contentieux dans chaque direction départementale éducation pour recevoir plainte dans mes parents qui victimes à vie, entamer en pile directeur l'école privée, qu'a forcé pour opérer première à deuxième tranche sous prétexte que travail en ligne, parents qui peut opérer en pile directeur qui est envoyé pour l'argent. De l'autre côté, il peut demander au ministre de l'Humanité pour lui prendre des décisions pour les jeunes là,
disponible dans toutes les écoles nationales, premier à deuxième cycle à l'école fondamentale dans le pays. Parce qu'après une enquête réalisée dans plusieurs écoles nationales, il faut dire que vous avez donné l'île unique. Parce que vous avez donné l'élève libre, premier à deuxième cycle, ministère a dit l'étape d'ailleurs. Donc, dans le mois de janvier 2023, le ministère de l'Éducation nationale mettait libre, disponible pour tout le monde. Si tous les noms apprennent jusqu'à présent, projet libre unique ministère a dévoué, donc pour supérieur des comptes, pour approuver.